Mais quand on sera au carrefour, tu commences. D'accord, ma puce. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de monde. Thank you.
Mais on est con. Mais oui, il y a bien. On s'est battu pour les gagner, on s'est battu pour les garder, les retraites, elles sont à nous, on s'est battu pour les gagner.
Thank you.
c'est barricadé, je viens de voir ça. Ils ont mis Yves Rocher là-bas en face, c'est barricadé. Le café, a priori, non. A priori, il est allumé. Come on.
ta retraite, mange un banquier, je pense à... ça passera pas, tu manges un banquier. On n'est quand même pas des cannibales. Donner des insectes à manger, alors en plus on devient cannibale. Il y en a qui ont une vue là en haut, vous ne pouvez pas savoir là en haut. Ça veut dire qu'il faut vivre nous deux ensemble. Jeudi 23 mars 2023. La place de la République, le cortège principal de la manifestation partait de Bastille vers 14h par la place de la République où nous sommes. On doit continuer un peu plus loin et bifurquer à gauche vers aller les grands boulevards pour atteindre Opéra, normalement Opéra, mais là il est déjà assez tard et ce n'est qu'une partie du cortège. On doit dire bravo à Macron d'avoir réussi à mettre autant de monde aussi dehors depuis quelques années. On va laisser continuer à mettre les gens dehors, à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur. Des bruits, t'as pas trop peur des bruits, hein, le petit musicien là. Parce que les bruits, c'est pas forcément. Thank you.
Il n'y en a pas beaucoup qui veulent une bonne retraite. Hein. Si tu veux une bonne retraite, t'as pas tes mains. Si tu veux une bonne retraite, t'as pas tes mains. Si tu veux une bonne retraite, si tu veux une bonne retraite, si tu veux une bonne retraite, t'as pas tes mains. Si tu veux une bonne retraite, si tu veux une bonne retraite, je prends pas. Et je prends les noms. Hein. Si tu veux une grosse pension, il y a plus d'humilité. Qu'il y a de l'argent, hein. Il y en a beaucoup, c'est un puissant. On en trouve toujours, hein. Tous les millions d'euros qu'on a fait pour faire la guerre, sans le dire, avec l'Ukraine, contre la Russie. On en trouve toujours de l'argent. On est toujours des prêts.